Déjà quelqu'un a eu le temps de retoucher le point, mais est-ce que ça va suffire? Ok, ils ont pris un Amon pour contester quand même. Ah, et Rhino qui vient avec une brigade sur le point, hein. Est-ce que ça va suffire? Malheureusement non. Ça tempo. Ok. Voilà, Drexen. Ah, et malheureusement. Enfin, malheureusement ou bien heureusement, hein, ça dépend qui est pour qui. Mais bah, du coup, la Moonlight qui a pris 2 minutes et 42 secondes. Ça fait presque 1 minute, enfin, bon, on va dire 1 minute hein, de plus que la Evenly. Et 1 minute, c'est quand même beaucoup. Donc, ça peut être très très beau tout ça. Ça peut être très très beau. Ok. Eh bah ben, écoute. Restez en retrait. Il y a les deux équipes qui reviennent. Du coup, bah pour la Moonlight, on peut voir toujours. Ah non, par contre là, ok, ça fait une défense double shield là pour la Moonlight. Ok. Scratch sur Orisa. Nécro sur Sigma. Drake. Oh là 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 là, la défense. Ok, Drexen sur un beau petit bastion des familles. Prey sur une Pharah, ok, ils vont faire pharmacie j'imagine parce que Datol a merci. Gâteau est parti sur un Baptiste. Oh là là. Ça va faire une défense sur le point, une belle petite défense sur le point comme on les aime. Voilà, oh là comment ça va être comme ça là, à la vue du bastion. On va le voir démolir tout le monde. Par contre, là, pour la Evenly, ils ont Widow. Est-ce que ça, c'est le meilleur pick à prendre? Je ne sais pas. Ils ont aussi un Hanzo. Peut-être pour faire un combo avec la Zarya. Du coup, Evol sur sa Zarya. Jackal toujours sur son Reinhardt. Even sur son Hanzo. Ok, ça fait une défense. Ça passe tout à gauche. Est-ce qu'ils vont prendre les escaliers? Ce serait la meilleure des solutions, hein, prendre les escaliers pour que le bastion bouge. Que le bastion va se mettre sur les escaliers. Là-bas, on peut le voir. Attention. Est-ce que ça va se fight? Ok, il passe, la Evenly arrive à passer, mais la Pharah, on peut voir la petite Pharah dans les airs là. Et ça, une petite Pharah dans les airs, ça fait toujours, c'est toujours très très énervant. Là, regardez ça. Oh là là, elle énerve. Et le bastion, oh là, le bastion qui est si bien placé là sur ça. Attention, on peut voir que ça fait le bac. Il y a des macris là. Un audio chez moi. Ouais, normalement c'est fait. Ok, ouais. Nice. Je te dérange plus. Non, moi c'est bon, ma call est. J'ai fait le nécessaire. Ok, bah écoute, Otto, si. Bah, en vrai, si tu veux rester, mais malheureusement, je vais. Oh là là, bah dire. Oh, ça fait une domination totale. Le premier gong qui a retenti pour la Moonlight. Aïe. Ça va être compliqué là, en 9 secondes de revenir. La Evenly qui a 0 ult. Aïe. Après, qui prend directement. Le kill sur Rhino, est-ce que le Reaper aura le temps de toucher? Oui, malheureusement, est-ce que ça suffira? C'est ça la véritable question. Oh là 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 là. Aïe. Une vraie défense avec Bastion qui a été très bien utilisée pour la Moonlight. Une vraie belle défense. Hein. Ça se passe ici. Ouais, mais c'est. Tu peux rester, mais sauf que malheureusement, je verrai pas les commentaires, Otto. Parce que je vais aller sur Magic Tournoi, parce que vu qu'il y a plus de personnes, tu vois, comme ça, je peux un peu écouter tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je vois un peu les commentaires de plus de personnes, tu vois. Après, si tu veux rester, écoute, s'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici, moi, ça me dérange pas de rester sur Games Magic. Hein. Mais bon, faut que le monde vienne, quoi. C'est ça, s'il y a beaucoup de personnes, s'il y a 10 ou voire plus spectateurs là sur Magic Tournoi, malheureusement j'irai dessus pour pouvoir lire un peu vos commentaires, vos magnifiques commentaires comme on les aime. Vas-y. Oui, je suis tout seul là, Meteorov.
tout seul là pour l'instant, ça se passe. Hein. Franchement, moi ça me dérange pas du tout d'être tout seul. Hein. J'ai assez de. Je parle beaucoup donc, bah, clairement. Clairement, ça va quoi. Ok, du coup, bah là pour la Evenly, c'est presque la même défense. À part Jackal qui est là sur son Reinhardt, et ça fait une petite défense top droit. Du coup, là ça s'annonce. En gros, c'est qui aura le meilleur Reinhardt. Hein. Ok, la Diva qui part top droit, qui va se faire, je pense. Déchirée par la. Comment dire, la petite Pharah là. Ok, là elle recule. Ah là, mais aussi un hein, Datol qui fait un travail monstrueux dans l'ombre. Ok, l'immortalité qui a été claquée de la part d'Irilo. Ouais, elle était terriblement low. Ouais. Ok, Drexen. Drexen qui se fait directement récupérer par Zitrox. Ok, la résurrection malheureusement qui ne passe pas. Ok, Jackal qui a réussi à prendre le kill sur Scratch. Hey. Oh là 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 là, mais lui Prey qui est monstrueux, qui prend directement deux piques, qui détruit l'immortalité. Et Vol Joker. Oh là là, Prey qui fait la quadruple kill sur point, lac 5. Est-ce qu'il va faire la full team? Ce serait magnifique. Ah mais je crois qu'il a fait la full team hein. Ah je suis pas sûr mais je crois qu'il a fait la full team. Bah c'est GG pour la Moon Knight. La Moon Knight l'emporte. Ouais, je taille les rênes solitude. Ça va. Ok, on peut voir le magnifique play of the game de la part de Jackal. Voilà, il y a une personne dedans. Trois personnes. Avec le petit combo avec Hanzo là. Ok. Boum. Ah, ok. Ouais. Clairement là, on a vu que la Moonlight arrivait plus à gérer le bastion. Et bah écoutez. Écoutez, bah, on peut voir hein, là, sur les cartes, hein, Praise. Praise, ouais, je vais l'appeler comme ça. Praise. Il a fait un travail monstre. Hein. Clairement, il a clutch. Il a été clairement monstrueux sur son DPS. Et ça s'est ressenti en game, je pense. Hein, la Pharah qui fait la 6 kill, je crois. Ça, c'est pas souvent qu'on voit ça. Hein. C'est pas souvent. Ok, du coup bah là la petite map là maintenant c'est un Rialto parce que je vous le rappelle c'est un match amical. Du coup bah ça fait que les maps sont choisies par les joueurs et non pas par les comment dire le tournoi quoi. Parce que sinon ce serait des maps complètement différentes. Ok, Rino qui prend le lead, est-ce qu'il va faire un petit changement? On verra ça. Oui je pense, hein, il attend, donc je pense qu'il va y avoir un petit changement. Ouais, Moonlight sont les gagnants de la sont les gagnants de la d'un autre tournoi. Donc bah c'est vrai, mais à ce que Irino m'a dit malheureusement bah on verra ça quoi, mais et bah c'est des joueurs complètement différents là qui sont présents dans face à nous là, face à la Evenly, c'est des joueurs complètement différents de la Moonlight qui a. Ok, du coup ça fait des changements. Blizz Ghosty qui est parti sur le banc avec Evol. Oui mais du coup comme je disais c'est complètement différent. Hein. Ce que j'ai compris c'était complètement différent, c'est plus du tout la même Moonlight quoi. Donc voilà. Et du coup est-ce que Scratch qui fait aucun changement, je crois bien. Ok, bon bah go. On part maintenant sur Rialto. J'ai vu une petite pharmacie tout à l'heure là, donc peut-être qu'il va y avoir pharmacie aussi encore une fois. Parce que pharmacie quand même sur Rialto c'est vraiment pas mal, surtout en attaque ça peut le faire aussi. Hein. Je dis pas le contraire. Initialisation de la partie. Ok. On va aller visiter la belle map Rialto. Voilà. Du coup, la map se lance dans 10 secondes. Ouais, c'est vrai. Faut mettre les specs en bleu, mais... Après, ça, c'est vrai qu'il faut le faire, mais... En soi, c'est un match amical, tu vois. Ils ont été mis. Mais bon, même c'est un match amical, tu vois ce que je veux dire. Donc, pourquoi forcément tricher ou je ne sais quoi. Franchement...
Voilà quoi. Et de toute façon, il y a un gros décalage. Il y a un gros décalage entre le stream et. Et la partie quoi. Salutations. Ouais, Magic Café. C'est ça, tout à fait. Oh, du coup, pour la défense, là, bon, du coup, on peut voir Moonlight qui est en défense. Du coup, ça refait une petite défense double shield. Ouais, bah ouais, Praise. Praise qui est sur Safara avec son beau petit Datol là. Et Drexen sur un Junkrat, ok. Et Gato sur un Baptiste. Du côté de la. Du côté de la. De la Heavenly, on peut voir que maintenant, il y a double shield chez eux aussi. Donc Uncodé sur Sigma. Jackal sur Orisa. Even sur Tracer. Xyrox sur Widow. C'est bien Widow aussi hein, sur, sur Rialto, c'est très très bien. Verl sur Ange et Rhino sur Anna. Ok, directement Praise qui prend le pic sur Jackal. Là un peu sur les vues des joueurs. Ouf, ou Datal qui se prend une grosse balle, Praise qui prend le pic sur, sur Even. Ok. Oh là 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 là. Le crawl qui revient avec sa team. À la défense double shield, c'est, j'ai l'impression que. Ah là, la Scratch prend le pic sur. Sur Verl. Sur Verl. Oh, son nom est compliqué, hein. Excuse-moi, mec, si t'écoutes le stream. Je connais malheureusement pas tout le monde. J'ai l'impression, là, pour ce début de match, de ce qu'on a pu. Ouf. Oh, malheureusement, le shield qui a été mal placé. Oh, de Uncodé. Oh, juste un petit peu plus bas et ça aurait été parfait. Oh là là, mais Praise qui fait un travail monstrueux. On va voir un peu comment Xyrox contre ça. Ouf, il lui a mis une belle tête. Et une balle, deux balles. Oh là là, ouais, mais la pharmacie. La pharmacie qui est clairement très très forte. Hein. Tac, une balle, deux balles. Ah, malheureusement, oh, c'est triste. Il a une balle à chaque fois, il peut la tuer. Ouh, le petit vide des balles sur you. Ok, ça gère bien, ok. La mélodie qui a été claquée, enfin le... Ouais la mélodie, moi j'appelle ça la mélodie. Hein. Et Jackal qui se fait directement récupérer derrière, la résurrection de Verl de Ver sur Jackal. Aïe 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 aïe. Ah mais il faut de la tuer cette... Ah voilà, enfin. Ok, il y a Baptiste qui est toujours sur le point, qui saute sur le point, qui fait un petit... qui fait le kangourou. Voilà, il s'est récupéré derrière, heureusement. Ça, ça continue de tempo hein. Ok, Nécrol qui nécrose. Ouais, nécrose hein, franchement. Enfin, je vais l'appeler Nécro parce que voilà, c'est la vie. Mais voilà quoi. Ok, du coup ça, ça ils ont bien tempo la, la Moonlight et ils ont surtout le temps de revenir. Ils ont le temps de se regrouper, je crois que ça passe par la droite. Ouais, ça passe par la droite, ok, ils sont fait repérer. Ok, Hulk de Jackal qui a été claqué. Attention, Hulk du Junkrat. Il va prendre. Il va prendre. Malheureusement, zéro pick parce que il y a Xyrox qui est là pour la détruire. Ok, la mélodie qui a été claquée. Oh là 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 là. Le travail monstre. Le travail monstre de la Moonlight. Oh aïe aïe aïe, Praise qui est encore un ult. Son deuxième ult pour Praise. Hein. C'est son deuxième ult là. Qui claque. Okay. Bah là ce qu'on peut voir de bien sur ce fight là c'est que la, la Moonlight a claqué tous leurs ults alors que la Evenly il reste l'ult de la hache et un Bob ça fait clairement le taf hein. ça peut être carry sur un sur certains fights, ça peut être énormément fort. Allez carry Bob carry. Ah, ça passe par où? Ça passe par où? Ok, ça passe par la droite. Ah, Xyrox qui se fait récupérer. Enfin, Xyrox qui récupère Praise. Le Bob qui a été claqué. Ah, Bob qui est tombé dans le vide. Oh non. Oh, c'est si unlucky pour la Heavenly. Aïe aïe aïe. Le Bob qui est tombé dans le vide. Et du coup, Praise qui en attend même pas une et qui. Ok, Even qui prend la double kick ici. Ok, Uncodé qui a été nano. Il a
Ok, Necro qui se fait récupérer. Battle en mule qui heal énormément. Là, là, faut buter les heals. Faut buter les heals. La Heavenly. Ah bah oui, hein. Battle qui a eu le temps de réa à Necro et le spawn est beaucoup trop proche. Du coup, la Tracer qui a le temps de revenir. Ils reviennent avec un Doom. Avec un Doom, pardon. Doom qui prend le coup sur Erino. Even qui prend directement le but derrière pour venger son coéquipier. Jackal qui se fait récupérer. Oh là 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 là, le regroupez-vous. Ult de la Orisa, malheureusement, ça C9. Mais ouais, malheureusement. Ah, c'est triste sur Rialto de pas prendre le premier point. C'est tellement dommage. Je dis pas que c'est pas faisable, mais ça va être très 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 compliqué pour la Heavenly. Hein. Mais ouais, mais malheureusement ils ont eu un énorme mauvais focus là pour le coup. Parce que là, il y avait les deux heals sur la Orisa. Et du coup, ça leur a permis de tout simplement full heal la Orisa. Et du coup, elle est pas morte une fois en fait. Elle est, pendant tous les fights, là, elle est pas morte, elle est restée vivante. Et bah ça a été l'élément, parce qu'après, du coup, Datol qui a pu raise Necro, et bah tous les ultimates, tous les deux DPS qu'ils ont eu le temps de revenir, et bah c'est parti, malheureusement pour l'Agony, pour ne pas prendre le premier point, quoi. Oh là là, mais, chez la Moon Knight, ça a l'air de vraiment beaucoup apprécier le Bastion. Hein. Regardez ça, Drexen, là. Le magnifique Bastion de Drexen. Oi, 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 oi. Ça peut être clairement huge, hein. Il y a deux Xerox. Ah ouais? Bah pas dans la partie du coup, bah... Je sais pas. Ah du coup, oui, il y a deux Xerox. Ok. Drexen qui est sur le convoi. Ok, le regroupement. Ah, une chose Bastion. Pourquoi ne pas avoir... Hein? Ah, aïe. Ah, les barrières. Aïe, Bastion qui détruit tout. Drexen qui prend tous les pics. Aïe. Ça tempo tout de même avec une petite tresseur sur le point. Ça tente de tempo comme on peut. Ah là. Là, ce que la Moonlight a fait en 30 secondes, la Heavenly l'a fait en 2 minutes. Donc, espérons que ça ne dure pas comme ça tout le match. Espérons-le. Oh, le vide est... Drexen qui fait un travail monstre, là. Drexen qui fait un... Ah, bah ouais. Malheureusement, la Heavenly qui se fait anéantir sur ce match. Oh, c'est si triste. C'est dommage, hein. La Heavenly qui perd, malheureusement. Ouais, Praise. Praise qui fait un travail monstrueux, hein, sur les deux matchs, là... Sur les deux matchs, clairement il est huge, hein. Il est magnifique, regardez directement le pic qui a été pris, le deuxième pic, l'ult qui va être claqué. Boom, il voit deux pics, voilà, double pic, voilà, directement. Oh là 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 là. La Heavenly qui est malheureusement pour le début du match en infériorité. Ouais, c'est dommage. Jackal qui est resté sur le point 3 minutes. Bah GG à toi Jackal, hein. Malheureusement, tenir sur le point, ça n'a pas suffi. Ah, le Bastion qui a été clutch, hein, ici. Ah là 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 là, Auto, pas de bêtises s'il te plaît, ce serait vraiment pas mal. Ouais mais ouais, t'inquiète pas, flux gravitationnel, excuse-moi ton petit sigma là. Excuse-moi Météorov. Ah, flux gravitationnel, malheureusement j'ai du mal avec ça, hein. Flux gravitationnel, moi j'appelle ça une mélodie. Ah là 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 là. Ouais, ça c'est la belle phrase de Evol.
Sigma avec ses beaux pieds. Du coup, est-ce que Rino va faire des changements? On va voir, hein. Sur Eichenwald, du coup. Ouais, sur Eichenwald, je pense que c'est Reinhard Zarya. Reinhard Zarya, est-ce qu'il vole, le petit main Zarya de la team Evenly? Je ne sais pas. Rino garde un sacré bout de temps le changement, du coup je pense qu'en chat ils sont en train de se dire quel pick ils vont prendre, etc. etc. Oui bah Otto reste comme ça et tout sera parfait pour toi mec. Ce sera parfait pour toi. Voilà. Non, là, c'est malheureusement Otto, on va pas discuter 100 ans, mec. Hein. C'est clairement, c'est. Là, c'est. Il y a eu des propos, etc. Pas forcément sur ce live, ou je ne sais pas, parce que malheureusement, j'ai pas vu trop les commentaires. J'étais un peu focus sur le match, tu vois ce que je veux dire. Mais si, s'il y a Magic qui est en train de un peu te reprendre, c'est pas pour rien, Otto. Donc, essaie de passer outre, tu vois. Essaie de te. Comment dire? Comment dire, recentrer, etc. Et tout ira bien pour toi. Hein. En route vers Eichenwald. Oui, bah écoute, c'est pas grave, laisse les. Ceux qui te parlent mal, enfin ceux que tu penses qui te parlent mal, laisse-les, tu vois. Réponds pas, ça ne sert à rien. C'est juste toi qui auras des problèmes, malheureusement. Ou. Enfin, après, les autres aussi auront des problèmes, hein, je pense. Hein. Je dis pas ça, mais. Je dis pas le Initialisation contraire, mais. Là, pour l'instant, il y a beaucoup de reproches qui ont été faits sur toi, Otto, donc essaie de rester à carreau, si tu vois ce que je veux dire. Ce sera mieux pour toi et pour tout le monde, je pense. Et du coup, on part sur Eichenwald. Ah là là, je crois que c'est la Moonlight là qui est en défense. Est-ce qu'ils vont refaire une petite défense avec Bastion sur Eichenwald? Ça m'étonnerait. Mais s'ils osent, on verra ça. Ah non. Ok, Presque est toujours sur Saphara parce que il sait, et ça se voit malheureusement, que. Comment dire? Que la Evenly a du mal à contrer ça. Hein. Clairement, la Pharah là de Presque qui est pas mort. Je crois qu'elle est morte 2-3 fois là. 4 fois peut-être depuis le début du match. Ah là 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 là. Staff Novice et c'est Magic Tournoi là, Otto. Ciao. Du coup, pour la Moonlight, ça fait une défense avec Reinhardt, Nekrol. Ok. Ok, oh là là, Presque qui prend directement le pick sur Even. Oh là 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 là, Presque qui est monstrueux et malheureusement ils arrivent pas à contrer cette Pharah. Est-ce que. Ah, Even qui reste tout de même sur main? Ok, d'accord, pas de soucis. Zyrox qui est sur ma queue, est-ce que ça va suffire hein, pour contrer tout ça? Ok, le petit boot qui a été fait, Presque qui prend directement le pick sur Zyrox, qui prend le pick sur Ereno, qui prend le pick sur Jackal, et qui se suicide! Ok. Magnifique! Ah, et qui se fait directement revive. Ah là là, heureusement que là, c'est popose là. Enfin, Pops, qui revive le petit Praise. Enfin, Pharmacie, c'est terriblement fort, hein. Faut avoir de Blitzcan. Ok, Evan qui est parti sur une hache. Ok, le Reinhardt qui pine, qui arrive à avoir la D.Va. La D.Va, faut qu'elle soit récupérée instantanément. Malheureusement, elle sera pas récupérée. C'est assez triste, c'est un positionnement dangereux je pense de la part de l'ennemi. Ok, Jackal qui redescend pour faire son tir V1. Ok, le Bob qui a été claqué. Le Nano Boost. Le Nano Boost qui a été claqué sur la hache pour booster la hache et le Bob. Bob qui prend le tir. Oh là là. Ah, est-ce que c'est. Ok, deux tics quand même. Hein. Ah, est-ce que ça va C9? Ah, malheureusement non. Propre. Praise! Mais arrête! 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 Arrête, mec! Arrête! Aïe aïe aïe! Presque qui prend la triple pick ici! Oh là 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 là! C'est beau tout ça! C'est beau tout ça! Prends tes médocs.
séquence d'autodestruction. Ok. Malheureusement, il faut du Reinhardt qui fera aucun pic, comme Codé qui fera aucun pic aussi. Il faut toucher. Ok, le counter KD. Ok, c'est... Ah, mais Necro qui arrive comme... Necro qui arrive quand même à faire un pic dans le bac, pardon, excusez-moi les gars. Ah, Necro qui part en mourant mais en faisant quand même un pic, c'est pas normal. Oh là là, c'est pas normal ça. Hein. Elle était en baby diva. Je sais pas ce que... J'ai pas trop vu ce que Lively a décidé de faire. Mais là, cette baby diva, fallait la détruire instantanément. Hein. Je sais pas, ils vont chercher quoi. Du coup, bah... Bob's qui réa le gâteau et c'est toujours que un tic. Ah, Necro qui prend le pic sur Rhino, ok, Xyrox qui prend le pic sur Praise. Est-ce qu'ils ont leur Reinhardt, hein, faut boucher. Ok, du coup ils ont. C'est du 0 pour 1. Ok, allez, faut boucher pour la Heavenly. Let's go les gars, let's go. On focus cette petite diva. Ok. Ok, on se la fait, on se la fait, on la laisse pas en baby parce que bah, visiblement elle prend des pics. Ok, le Ainoun. L'Ainoun dans la backline qui prend 3 pics. Oh là là, Xyrox qui prend 3 pics là directement ici. Ok, c'est beau pour la, de la part de la Heavenly là directement. C'est très très beau, ok, un full chill. Ah là là, malheureusement, ils auraient pu faire ça largement avant. Mais si pour gagner la Heavenly, il faut tuer cette Pharah qui est très 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 dérangeante, focussez là, vous la détruisez. Et vous pushez quoi. Et là, vous gagnez le fight. Comme là, vous avez gagné le fight en butant cette Pharah qui est monstrueuse et qui est très, très, très dérangeante. Ok, elle fait le back. Elle fait le back car elle a son ult, regardez. Ok. Sur le point. Ok, c'est la Anna. La Anna qui... Oh non, la merci. Oh, la merci. Oh, la merci qui se fait pas récupérer. Praise qui prend le pic directement sur Erino. Even qui prend le pic sur Praise. Biskip qui prend le pic sur... Je ne sais plus qui, j'ai pas eu le temps de voir. Xyrox sur Pauvs. Ok. L'ult de la diva qui prendra quand même un pic, mais... Ok, Bob qui prend un pic aussi à son tour. Oh là 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 là. Non, cette diva, bon, j'ai pas vu où était placé le Macri de Xyrox, mais... Elle aurait pas dû faire un pic ici. Pas dû faire un pic. C'est si triste, tout ça, là. Et écoute Toto, mec, clairement c'est pas le moment pour toi de, comment dire, de faire ton kéké, si tu vois ce que je veux dire, ok. Clairement là t'arrêtes d'envoyer des messages, voilà, ça va être très très bien, ok. Et là c'est ton dernier message, j'espère, et ce sera tout à fait bien pour toi. Du coup Even qui prend le pic sur Biskip, après est-ce qu'il prend la double pic sur le DP? Mais faut l'arrêter les gars, faut l'arrêter ce Praise. Oh là 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 là, si je prononce mal son nom, mec, excuse-moi, parce que je l'ai cité tellement de fois et j'aimerais bien le prononcer bien ton prénom. Enfin ton gamer tag là. Ah, Jackal qui fait un galet dans le shield malheureusement. La diva qui sleep. Non mais en vrai on parle beaucoup de Praise là sur ce match là, mais clairement là la team au complet, hein, qui est monstrueuse, hein. La team au complet qui fait énormément de taf, les healers ils sont là pour heal, ça se voit très très bien que la Heavenly a clairement du mal, hein. c'est vrai que le DPS surtout Praise là qui prend à chaque fois. Oh, ok, enfin, est-ce qu'il va se faire revive? Ouais, j'imagine qu'il va se faire, ouais, voilà, la résurrection sur Praise directement de la part de Pobs. Et Even qui reprend directement le pic surprise. Voilà la Heavenly. Là vous avez perdu. Là ils ont perdu un de leurs grands éléments. Et là faut push. Là faut push. Allez. Vous pouvez le faire, Necro. Tu vas faire 0 pic, heureusement pour la Heavenly. Ok, le Ainoun qui a été claqué. Le Ainoun qui prendra un pic. Oh là 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 là, Necro. Dis-moi pas qu'il va affronter les DPS. Ok. Ah, c'est bien tout ça, c'est bien. Ah non? Y'a Evenly qui arrive pas? Ah, oh, j'avais mal regardé le fight. Oh là là, mais une défense monstrueuse. Une défense monstrueuse de la part de la Moonlight. Voilà. Ok, alors bah, c'est GG pour la Moonlight. Hein. Je rappelle, c'est un petit match amical, mais tout de même. Là, il nous montre que... ils sont là et si ils sont là mais pas pour rigoler quoi. Ils sont là mais pas pour rigoler.
Initialisation de la partie. Yo, yo Alpha. Eh ben écoute Otto, t'as tout intérêt de te retenir. T'as tout intérêt de te retenir. Clairement. T'as tout intérêt de te retenir et c'est la seule chose que je te dirais quoi. Ok, du coup là on peut voir que bah du coup la Evenly qui passe en défense et qui a un petit Junkrat de la part des Aerox, un petit Junkrat pas du tout, un petit Torb de la part des Aerox. Ok, du coup on va faire les tanks. Bon, Uncodé sur sa Diva, Jackal sur son Reinhardt, Even sur sa Ashe, Zyrox sur son Torbjorn, Ghosty sur sa Mercy pardon, et Reno sur sa Anna. Et du côté de la Moonlight, je sais pas si c'est les pics définitifs, mais Scratch sur son Reinhardt, Raze, ah sur un Doomfist, ok, on l'a vu beaucoup jouer Pharah, et là Doomfist, d'accord. Ah, ok, bah, on verra s'il est aussi clutch sur son Doomfist, ah non, il passe sur un Genji, d'accord, ok. Bah, on verra si sur un Genji, il est toujours aussi clutch que sur sa Pharah, et bah du coup, Pop sur un Lucio. Biscuit sur Echo. On n'a pas vu beaucoup d'Echo je crois dans le tournoi. Donc en vrai ça va être une Echo. J'espère que c'est une Echo qui va nous faire vendre. J'espère que c'est une Echo qui sera là quoi et qui fera beaucoup de pics. Du coup Gâteau sur Anna, Necro sur Zarya. Ok, le pic est directement pris de la part de Zyrox avec sa petite tourelle. Ok, Zyrox il prend la double pick. Ils veulent pas perdre et ils le montrent. Ok, oh là là Zyrox. Zyrox qui est monstrueux là, hein, qui fait la triple pick. Et tout ça c'est huge. Ok. Du coup là en termes d'ult, malheureusement personne n'a ses ults. On se push là. Ok, je crois qu'il passe à droite. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils font. Là leur Reinhardt est un peu reculé et là les Zarya restent complètement en avant. Ok, du coup là ils sont regroupés. Ok, là l'objectif je pense de la Moonlight c'est détruire la tourelle en pouvoir. Regardez-moi ça, la Reinhardt qui est partie directement dessus pour la détruire. Mais le Reinhardt qui est très très low, Scratch qui est très très low. Oh la bonne nade claquée, le Bob qui a été claqué, ça c'est très très bon aussi. Ok, le mur du son. Ok, le gros KD sur 4 personnes. Est-ce que ça va suffire? Ok, Ekel qui prend le pic sur Zarya. Est-ce qu'il va chercher le Reinhardt? Ah, c'est compliqué. Allez, let's go, la Evenly. Vous pouvez tenir. Ah, malheureusement, ils se font. Aïe. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de revenir? Ghosty qui fait ce qu'il peut pour tenir le point. Mais là, faut se regrouper, ça sert à rien pour la Evenly de revenir. Arrêtez le convoi. Ok, du coup, Even qui prend directement le pick sur Praise. Excusez-moi, il y a ma sœur qui est rentrée dans la chambre, c'est pour ça que je vais pas trop parler. Ah là là là, ça jauge là ici. Mais le but là, je pense que c'est de prendre le pick sur. Oh! Oh là là! Ok, Zyrox sur une petite microline qui arrive à avoir de la siquette. Malheureusement, je sais pas sur le live de Magic qu'on a pu voir, mais. Comment dire? La siquette, enfin, Basiquet, pas du tout. Biskip, pardon, qui avait une petite microline et qui faisait beaucoup de damage et du coup Zyrox l'a réussi à l'avoir. Du coup là en termes d'ult, oh là là mais Necro à chaque fois, tout à l'heure il jouait Diva, en baby Diva il a réussi à avoir un pic, et là en Zarya il a réussi à avoir un pic de dernière minute. Mais c'est pas possible ça pour la Evenly, normalement ça peut pas se faire hein. Normalement là les pics ils doivent Personne être pris échappe à mon regard. Et là malheureusement Necro devait faire mais aucun pic quoi. Libérez votre force intérieure. Ok, du coup les deux Reinhardt ils ont leur KD. Ok, l'ult du Hanzo, Biskip qui prend directement le pic sur Ah le KD qui prendra un pic. Le Reinhardt qui se fait KD derrière. Ok, la charge qui va malheureusement prendre personne. Ah, Scratch qui prend le pic sur Irino, sur la Anna. Ok, il se fait directement récupérer par Jackal. Ok, ça a l'air d'être une belle défense. La Zarya qui est à droite. La Zarya qui est à droite, il faut se la faire. Elle est sur le point.
Mais non les gars, faut la tuer cette Zarya là. Si on la tue maintenant, elle est delay et c'est parfait pour tout le monde là. Hein. Aïe aïe aïe, mais non. Elle va pas mourir. Bon, la Zarya qui fait sa petite vie, qui est retournée dans son spawn, au calme. Ok, super. Oh, le feu à volonté qui a été... Enfin, le ult de la Zarya, le, la grave qui a été counter par Erino. Ok, Baskip, Biskip, pardon, qui prend directement le pic sur Evan. Ok, encodé. La Mercy qui arrive à Red Evan. Ok, le Minobus qui a été claqué sur, sur Jackal. Le mur du son qui a été claqué par Pobs. Ouh, le gros KD de la part de Jackal. Scratch qui arrive toujours à prendre le pic sur Erino. L'ult de la Diva malheureusement qui prendra personne mais qui a fait, qui a permis aux deux snipers de prendre les deux pics. Ah là là, espérons que ça tienne pour la Evenly. Hein. Que ça se termine pas en 3-0. Et du coup ça se regroupe hein, chez la... Chez la... Chez la Moonlight, ça se regroupe progressivement. Ok, Necro qui se fait directement bouper, qui doit repartir avec sa team. L'ult de la... De la Widow. Ah, la tresseur, faut se la faire. Si on peut se faire la tresseur, ce serait vraiment pas mal. Ok, le Nano Boost qui a été claqué sur le Reinhardt. Ghosty qui uncodé, pardon, qui le réveille. Ah, Jackal. Jackal qui va réussir peut-être à prendre le pic sur le Reinhardt. Ok, le bug qui a été claqué par Evan. Oh là, le gros KD. Allez, le gros KD de la part de Scratch. Biskip prend double pick sur la Ashe, sur la Anna. Praise qui prend le pick sur Xyrox. Necro sur Blitz, Ghosty. Praise sur Evan. Jackal qui prend le pick sur Pose, mais est-ce que ça suffira? Je ne pense pas. Praise qui prend le pick sur Jackal. Oh là 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 là. Et c'est GG encore une fois. Pour la Moonlight, voilà, c'est encore GG pour la Moonlight. Ah là là, malheureusement, la Evenly ici qui, sur les trois maps qui ont eu du mal à mettre leur jeu, à imposer leur jeu, c'est plutôt la Moonlight qui a imposé leur jeu à la Evenly. Et bah, ils ont réussi un Aerox ici qui fait un triple kill. Ah, c'était très très beau. Ça qui a permis à la Evenly de push. Ouais, dommage pour la Evenly ici qui n'y sont malheureusement pas arrivés. Mais bon, en soi c'était un match amical. Espérons que durant les matchs, si un jour si la Moonlight vient dans le tournoi, bah espérons que si un jour c'est un vrai match, et bah que la Evenly oublie complètement ce match amical et les démarre. Hein. Ok, du coup, je pense qu'on va partir sur la petite dernière map quand même, je pense. On va quand même faire les 4 maps du côté de la Evenly. Voilà, c'est un match amical. Leur but, c'est d'apprendre. Et voilà, quoi. Tout simplement. Du coup, ça partira sur la quatrième map qui est Népal. Ok. Népal, Scratch, est-ce qu'il va faire des changements? Moi, franchement, j'aimerais bien là que Scratch retire Praise. Pour voir un peu comment ça se déroulerait le match. Est-ce que ce serait la même? Ou bien c'est vraiment Praise qui est là et qui les porte, quoi, on va dire comme ça, tu vois. Parce que là, ils ont comment dire, Praise a vraiment fait un taf monstrueux sur ce match. Ok. What? Waouh, je suis parti sur la carrière de Praise. Bah du coup en DPS il est 3500 quoi. Mais par contre il est main tank. Il joue Sigma, Diva, Reinhardt, Zarya, après Ashe, Anna, Winston, Doomfist. Ok d'accord. Le mec nous a vraiment montré genre son je pense meilleur niveau là, le meilleur niveau qu'il pouvait nous donner. Ouais, c'est vraiment main Reinhardt, Doomfist, Sombra, Pharah, ok. D'accord. Mais c'est vraiment main Reinhardt, d'accord.
Ok. Bah écoutons. Écoutez, pardon. Ouais, c'est vrai que. C'est vrai que Gato, quand il met ses debuffs là, et bah c'est carré, hein, clairement. Ça permet à la Moonlight de pusher et. Une debuff, quoi, bah c'est huge hein, sur ces games là, quoi. Ok, du coup, c'est parti sur un Amon pour tourner comme un débilos autour du point. Ok. Ah là là, Scratch qui prend directement le pick sur Ghosty. L'esquive sur Jackal. Encodé qui prend directement le pick sur Praise. Ah, espérons que ça suffise. Ça fait une petite pharmacie chez la Evenly ici. Ça fait une petite pharmacie, ça peut être beau, ça peut être bien. Sauf que là, la Pharah. Oh là là, Biskip. Biskip qui nous montre que Praise n'est pas tout seul en DPS et que lui est présent et qu'il est là pour faire son taf, quoi, et qu'il le fait. Il prend directement le double pick là. Mais pourquoi ça continue d'avancer? Ils sont pas full là, si. Hein? Oh là 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 là, Zyrox qui se fait directement récupérer. Evan qui prend directement le pick sur Pobs. Ok, Zyrox qui s'est fait réanimer, c'est cool ça. Oh, la bonne nade sur Jackal. Ok, heureusement qu'il y a eu la bugle. Biskip là, Biskip il nous montre vraiment que c'est. Qu'il est vraiment. Ok, Evan qui prend directement le double pick ici. Est-ce que ça va suffire? Oui, je pense, hein. Ghosty prend le pick sur Biskip. Ouais, ok. La Evenly qui, enfin, au bout de 50%, prend le point. Mais bon, après, en soi, 50%, c'est pas tant que ça, en vrai. Parce que du coup, là, chez la Moonlight, on a 3 ults. L'ult du Reinhardt, l'ult de la Anna et l'ult du Amon. Ah là, ces 3 ults-là... Franchement, ça peut être carry. Et du coup aussi, pareil, chez la Evenly, il y a 3 ults, presque 4. Oh, attention, le ult du... Ok, le beau cadet de la part de Jackal qui prendra double pick ici. Ghosty qui a claqué son ult à son tour. Ok, c'est un fight gagné. Ouais, c'est un fight gagné, ouais, on va dire ça comme on va dire, ouais. Ok, c'est un fight... Mais non! Oh! Mais... Jackal qui se fait récupérer par les doubles. Ok, heureusement qu'il y a une merci ici pour réanimer, parce que sinon, bah, ça partirait directement pour la Evenly avec un gros désavantage. Ah, il est chiant avec son Amon, il est très très chiant. Voilà, après, est-ce qu'il prendra un pick? Biskip qui prendra un pick lui aussi à son petit tour. Evan qui prendra deux picks, du coup c'est du 2 pour 2, du 3 pour 3. Allez les gars. Allez, la Moonlight, est-ce qu'ils peuvent récupérer le point? La revive, ok, c'est du 3 pour 3 toujours, hein? Ouais, si, c'est du 3 pour 3 toujours. Là, l'important, je pense que là, c'est surtout la tempo, hein, clairement. Biskip, pardon, qui a claqué son nez, mais qui s'est fait récupérer, du coup, ils ont même pas eu le temps. Oh, le KO directement sur Reinhardt. Ok, Scratch qui a réussi à prendre le pick. Ah, Zyrox s'est claqué son nez, qui malheureusement n'aura aucun pick. La merci qui est sur le point, qui est un peu comme elle peut, mais qui se fait récupérer instantanément derrière. Ok, ça a tenu pour la Evenly jusqu'à 94%. C'est un bon temps. Mais est-ce qu'ils vont réussir, à prendre derrière? Mais après, là, ils ont un combo d'ult qui peut être carry. Hein. On voit que Uncodé est sur sa Zarya qui a son ult, et Even aussi. Donc voilà quoi. Ok, du coup là, Evan qui prend directement la double pick. C'est du 3 pour 2 pour la Evenly. Allez. Il reste plus que ce Amon très. Ah non, il reste aussi une tresseur sur le point. Oh, ça va le faire pour la Evenly. Pardon, pour la Moonlight. Oh, mais mec, basique. Biskip, pardon là. Biskip qui fait un travail monstre sur ce fight là. Là franchement il voulait clairement nous montrer que oui c'est vrai, il y a Praise,
Oui, c'est vrai. Mais aussi que lui, il est là. Et qu'il peut faire clairement un attaque monstrueux. Hein. Ah, est-ce que ça tient quand même. Ça tient tout de même peut-être pour la Evenly du coup. Je sais pas. Ah, la Evenly qui est partie sur un Amon à leur tour pour le tempo, j'imagine. Ah, allez, malheureusement, le C9. Oh, c'est si triste. C'est si triste. Non, en soi, c'est un beau scrim, tu vois. C'est un beau scrim. On peut voir que là, il y a deux équipes. On peut voir qu'il y a deux équipes qui se donnent, je pense, à fond, tu vois. Mais c'est vrai que bah, la Evenly qui est malheureusement, à mon sens aussi, un peu en dessous, malheureusement aussi. Hein. Là, parce qu'ils ont vraiment réussi la... Comment dire? La Moonlake a réussi à faire de très 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 belles défenses par rapport à la Evenly qui... Non, pardon. Si, justement, la Moonlake a réussi à faire de très très belles défenses, mais aussi de très très belles attaques, alors que la Evenly, c'était... Ils ont eu un peu plus de mal. Du coup, pour la Evenly, ils partent directement au middle, vu qu'ils ont une Mei, okay, pour sûrement stopper le... pour essayer de tenter de wall quelqu'un, quoi. Je pense que le Reinhardt, peut-être, ça pourrait être cool. Peut-être... Oh non, ok. Ça a wall personne, malheureusement. Ok, le Reinhardt qui est clairement débuff. Ok, la baby Diva. Ok, Diva qui perd son mecha. Diva dans le bac, j'espère pas que, par contre, là, maintenant, elle va faire un pic. Ça, j'espère pas. Ok, le Reinhardt qui est wall. Ah non, il a quand même réussi à sortir du wall. Ah, il va empaler la Diva. Ok, la Diva qui a perdu son mecha, malheureusement. Mais c'est quand même un point pris pour la Evenly, là. C'est un point pris pour la Evenly. Et... Ouh, le cadet. Ok, le mur du son, le mur du son directement qui a été claqué. Scratch qui se fait directement récupérer. La Diva et la Tresor dans le bac. Gâteau qui prend directement le pistolet sur Jackal. Biscuit sur Rhino. Ah là 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 là, est-ce que ça va pas être clean là pour la. Ah. Tout de même sur ce fait là, la Moonlight qui utilise beaucoup de jutes. Là, ils ont utilisé l'ult de la Tresor. L'ult. De la Echo, l'ult du Reinhardt, le Nano Boost, c'est beaucoup d'ult claqué pour la Moonlight, alors que la Evenly, là, ils ont l'ult du Reinhardt, l'ult du Hanzo, l'ult de la Mei et le Nano Boost. L'ult du Hanzo, pas du tout, l'ult du Genji, pardon. Là, on a un HP qui malheureusement va pas se faire récupérer. Oh là 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 là, Zyrox! Zyrox avec ses double pitch! Oh! Oh, c'était beau là ce qui vient de se passer! Zyrox était en glaçon, l'ult de la Diva de la Moonlight qui a été plaqué, et Zyrox vu qu'il était en glaçon, ça a stoppé et ça a pu protéger le Jackal, son Reinhardt, quoi. Ah, c'était vraiment pas mal, ça. Du coup, bah, là, il gagne le fight, la Evenly gagne le fight, là, sur ce point, et ce qu'il faut savoir, c'est que là, la Evenly a claqué aucun ult pour passer. C'est plutôt la Moonlight qui a claqué l'ult de la Diva. Et ils n'ont pas réussi à charger tant que ça les ults des autres en face. Hein. Ok. Attention, le Reinhardt qui a été wall, qui fait une counter charge. Ok. L'ult de la Mei qui a été claqué, qui va congeler le Reinhardt. Oh, Zyrox, je crois qu'il a été claqué, qui se dirige vers Viscosti ou Visgosti, je crois qu'il a été touché par la bombe. Ok, du coup c'est un ult claqué toujours pour la Evenly. Donc en soi ils ont toujours un avantage de ult. Le Reinhardt qui prend un triple pick dessus, mais malheureusement il n'y avait pas de suivi. Ok, la Nano Blade. Alors, on a cette nouvelle technique de pick. Ah, malheureusement directement le Cobbs qui fait un travail monstre avec son mur du sang. Ouais, voilà. Ok. C'est win sur ce fight pour la Moonlight. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, la Evenly est à 99%. Donc en soi, est-ce qu'ils peuvent win? Je pense, j'aimerais. Comme ça dure encore un peu plus longtemps ce match. Et du coup, là, la Moonlight qui est avec 3 ults par rapport à la Evenly, qui en a que 2. A beaucoup d'ults claqués hein, sur ce dernier fight. Beaucoup, beaucoup d'ults claqués sur ce dernier fight. Ok, l'ult de la Diva qui malheureusement pas aucun truc, mais ça permet à sa team de toucher directement. Price qui prend les pics sur Evan, le KD qui a été claqué, Price qui prend les pics sur Rhino, Scratch sur Jackal, le Nano Boost qui a été claqué. Ok, c'est win, c'est un fight win pour la Moonlight.
Du coup, là, les UK ont été claqués. Là, la Moonlight, Ivany a sûrement un avantage, là, j'imagine, parce que là... Ok, ok, Yvonne en plus qui prend directement le pic sur Biscuit là. Donc en soi ils ont un avantage d'ult, ils ont un avantage de pic. Ils ont beaucoup d'avantages. Là la Evil Lucy gagne pas ce fight, c'est que c'est très 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 bizarre. Hein. En plus la Diva qui est nommée qu'un, du coup encore un autre avantage. Le gros cadet. La mec a claqué son ult aussi. Le mec a créé des tri-tri, Pops qui arrive à avoir son mur du son et qui arrive à le claquer. La mec qui se fait directement, Zyrox qui se fait directement récupérer par la Diva, par Biscuit. Ah mais non, c'est pas un fight, c'est un fight win pour la Moonlight. Ok. C'est do... Oh là là, mais là clairement, il y a eu tellement de pic pris. Ah mais là franchement je comprends pas là. Clairement là la Evony qui aurait dû win ce fight. Car il y avait un ult en plus. Diva qui était nommé K. Et en plus il y avait quoi d'autre encore? Il y avait plus Tracer aussi dans le temps. Ok. La Moonlight qui remporte ce match sur un 4-0. Je répète, c'était un match amical, mais ça nous montre que la Moonlight là il... Bah ils sont puissants quoi, hein. Clairement ils ont tout donné j'imagine, enfin j'espère qu'ils ont tout donné, et ils nous montrent que bah s'ils viennent dans le tournoi, bah c'est pas pour rien quoi, ils sont là et ils vont tout leur but c'est de tout déchirer quoi, et bah c'est un très bon match là qui vient de se passer. GG à la Moonlight, GG à la Evenly, même si c'est une défaite, c'était un match amical, ce qu'il faut se dire c'est apprendre sur ce match, et bah ça, maintenant du coup le match est fini. C'était un plaisir d'avoir cast tout le monde. Et bah oui, je crois que c'est fini. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est fini. Du coup, bah merci de m'avoir écouté. J'espère que mon commentariat était pas horrible. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été présent. Merci à Magic de faire ce tournoi. Et bah ça fait toujours plaisir, hein. Si mon casque vous plaît, bah écoutez, vous me reverrez. Bah, de toute façon, voilà quoi, vous me reverrez, j'imagine. Enfin, j'espère. Et c'était un plaisir d'avoir cast avec vous. Enfin, d'avoir cast avec vous, non, mais de vous avoir cast ce match. Et c'était cool. C'était cool et ça fait plaisir.